Midi pile, aujourd'hui je reçois Delil Torgusul qui est courtier en crédit immobilier et consultant patrimonial. Alors Delil Torgusul, merci d'intervenir dans cette émission. Vous doutez que nous allons parler de la crise et un des aspects les moins drôles de celui-ci, le crédit immobilier. Le crédit immobilier, c'est aussi votre métier et donc on a l'impression depuis quelque temps que plus personne ne peut acheter, plus personne, j'exagère un peu, plus personne ou presque, en tout cas pas pour un premier achat, pas pour des jeunes visiblement qui auraient tous les deux un salaire. Il est extrêmement difficile d'acheter parce qu'on ne peut pas trouver de crédit, on n'y comprend plus rien. Alors vous allez nous éclairer, on parle beaucoup du taux d'usure. Ce qui arrive là, c'était prévisible tout d'abord ? Bonsoir déjà, merci de m'accueillir ce midi. Pour être très clair, pour expliquer avec des mots simples ce qui se passe à l'heure actuelle, effectivement, on parle de taux d'usure. En fait, le taux d'usure, c'est le taux maximal, toute taxe comprise, on dira, pas TAEG parce que c'est un peu chinois, toute taxe comprise de votre crédit. On ne peut pas vous proposer au-delà de 2,57% de TTC, TAEG, taux annuel effectif global. Donc dans ça, on inclut le taux nominal, le taux du crédit. Hein. On parle souvent de 2%, avec moi c'est un peu moins, mais en moyenne c'est ça, 2%. Et ensuite, on rajoute tout ce qui est frais annexes, frais de notaire, frais de garantie, tout ce qui est hypothèque, caution, etc., frais de dossier. Et tout ça, ça donne un TAEG, taux annuel effectif global. Et s'il dépasse 2,57% pour les crédits entre 20 et 25 ans, et ben la banque elle peut pas prêter. Donc là, le gros problème, c'est quoi? C'est que les taux, ils sont tellement augmentés rapidement. Et le taux d'usure, il est calculé sur les 3 mois précédents. Et il y a 3 mois en arrière, les taux, ils étaient encore historiquement bas. Donc là, le remaniement du taux d'usure se fera en octobre. Donc il devrait augmenter le taux d'usure. Mais d'un côté, c'est bien parce que les banques ne peuvent pas prêter trop cher. Donc là, en ce moment, moi, je le vois comme une opportunité pour mes clients parce que, en règle générale, ce n'est pas tout le temps le cas, mais les assurances emprunteurs des banques font que ça bloque parce qu'elles sont souvent plus chères que quand ils viennent avec moi. Moi, je fais de la mise en concurrence, je vais rechercher les assurances les moins chères, mais bien sûr avec des garanties équivalentes ou supérieures. Et donc, tout ça fait que, en négociant un max, on arrive à être en dessous des 2,57%. Vous avez parlé de CDI ou autre. Ça, c'est d'autres critères. Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, mais le taux d'usure, c'est ça. Et après, il y a tout ce qui touche au dossier, le CDI, l'épargne, la gestion des comptes, s'il y a des commissions d'intervention ou pas. Bref, comment les gens utilisent leur argent au quotidien et le projet en lui-même. S'il dépasse les 35% de taux d'endettement, c'est mort, ça passe pas. Alors, comment se fait-il que ça n'a pas été prévu et par les banques et par les États? C'est lié directement à ce qu'on connaît en ce moment, une instabilité sur les marchés financiers et due, on le sait bien, à ce qui se passe malheureusement en Ukraine. Oui, c'est ça. Et après, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. C'est une économie global, je dirais. Et en fait, ça a été mis en place, le taux d'usure, pour protéger justement les consommateurs. Ça, il faut en être conscient. Le problème, c'est que on le révise tous les 3 mois. Et là, ça a tellement augmenté rapidement, c'est ça qui bloque. Mais sinon, ouais, c'est la conjoncture en général, les matières premières, l'inflation qui a explosé, la crise énergétique. Donc voilà, ils veulent freiner l'inflation et l'immobilier est un facteur aussi. C'est l'énergie en premier, avec la crise énergétique. Mais l'immobilier aussi rentre en compte sur tout ce qui était bulle immobilière avec les taux historiquement bas. Les gens, ils consommaient, je vais dire frénétiquement, parce que les prix de l'immobilier avaient explosé. Et là, ça commence à stagner un petit peu. Ça met en danger le marché de l'immobilier. Clairement, est-ce que ça pourrait induire une crise immobilière, c'est-à-dire voir le marché tellement s'effondrer que ça mettrait en péril tout le système immobilier français, et particulièrement pour les agences immobilières? Ça,
Là, c'était des records, hein. Plus d'1 million de transactions à l'année, c'est énorme. Donc là, voilà, c'est normal qu'il y ait une correction dans chaque marché. Quand on atteint des sommets, il y a une correction avant que ça repart. Moi, je suis plutôt optimiste. Je me dis que ça va repartir parce que voilà, l'économie au niveau de l'immobilier, c'est beaucoup d'argent pour l'État, hein. Les frais de notaire, il faut le savoir, c'est 80% qui va à l'État. C'est pas pour les notaires. Voilà, je les soutiens à ce niveau-là. Souvent, on dit qu'ils prennent beaucoup, mais non, c'est l'État qui prend beaucoup. Donc, l'État a intérêt de soutenir le marché de l'immobilier, sinon ça peut faire très mal. On a eu peur à un moment donné aussi que ça a un impact terrible sur, non pas que sur l'ancien, mais sur le neuf. Alors, qu'en est-il? Est-ce que ça peut remettre en cause des projets globaux? Le neuf, c'est vrai que là, il est en chute. Il y a plusieurs facteurs, les taux immobiliers, mais pas que. Il y a la nouvelle réglementation thermique qui est entrée en compte, la RE 2020, qui est assez drastique pour tout ce qui est économie d'énergie, diminution des gaz à effet de serre. Donc, quand on veut construire maintenant, il faut respecter un cahier des charges qui est assez strict et les matériaux proposés coûtent très cher. En plus de ça, il y a la crise des matières premières, tout ce qui est parpaing, bois, tuiles. Tout ça, c'est compliqué à trouver aujourd'hui. C'est des 6-9 mois d'attente, les fenêtres pareilles. Donc, il y a les taux qui ont augmenté, les matières premières qui ont augmenté et la réglementation thermique qui est drastique. Et donc là, c'est en chute libre. Moi-même, je devais faire construire, j'ai abandonné le projet parce que ça vaut plus le coup. Le neuf, après, tout dépend si c'est de l'autoconstruction ou pas. Mais là, la construction neuve, c'est celle qui est le plus touchée pour moi. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les ventes globalement, taux de crédit ou pas, à cause du nouveau taux de la construction et des nouvelles normes? Oui, il y a un impact. Je ne sais plus les chiffres. Je les avais regardés il y a de ça un certain temps. En début d'année, on était déjà à moins, je sais pas, entre 20 et 30% de construction en moins. C'est à confirmer, mais les chiffres étaient assez affolants. Donc, et les banques, elles prêtent moins aux personnes qui construisent elles-mêmes, les autoconstructions. Elles demandent des garanties, des assurances, une dommage ouvrage qui coûte assez cher. Et donc, bah, tout ça freine la construction neuve. Et je sais plus, c'était le ministre de l'écologie qui avait dit que les maisons individuelles, c'est une catastrophe écologique. Donc, ils veulent combattre justement ça parce que les habitations, je crois, c'est 40% du dioxyde de carbone déversé chaque année dans notre atmosphère. Est-ce que tout cela, par effet domino, pourrait avoir un impact sur le marché locatif? Le marché locatif, c'est différent. Les loyers, ils ont plus tendance à augmenter selon l'indice de référence des loyers, qui est un petit peu en corrélation avec l'inflation. Donc, il n'y a pas trop d'impact. C'est la rentabilité qui peut être impactée. Mais bon, dès que les taux augmentent, l'immobilier en règle générale baisse. Donc, tout ça peut permettre d'avoir toujours une rentabilité intéressante dans le locatif. Vous allez nous donner un conseil gratuit, bien sûr, puisque sur cette antenne, tout est gratuit. Bon, un couple, jeune ou moins jeune, allez, on va prendre globalement un couple qui veut acheter aujourd'hui. Quel est le conseil que vous lui donneriez? Il faut attendre, encore attendre, et jusqu'à quand? Non, il ne faut pas attendre. Il y a un peu plus de difficultés parce qu'il faut avoir un taux de marché bas, la fourchette basse. Parce que si vous êtes au-delà de 2% et que le taux nominal, je parle le taux de base, et que derrière vous avez une assurance qui coûte cher, des frais de dossier assez élevés et des frais de garantie assez élevés, là vous allez dépasser le taux d'usure et on ne pourra pas vous prêter. Par contre, si vous mettez en concurrence, après, voilà, vous n'avez pas les connaissances du courtier. Nous, on a des dérogations avec les directeurs d'agence, donc on a des taux plus intéressants. Mais si vous faites ce travail-là, vous pouvez obtenir votre crédit. L'idéal, c'est de ne pas vous casser la tête, c'est de m'appeler et je m'occupe de vous faire gagner du temps et des nœuds dans le cerveau. Merci.